dans un nouvel épisode de CS Play de Captain Todd, Treasure Tracker, For You, sur le secret du domaine doré. Donc, un dragon en or. Donc, je disais, en fait, cette vidéo sera un peu comme l'épisode 24, je crois, qui avait été beaucoup plus long que les autres. Je ferai un montage. Mais j'hallucine. Alors, est-ce que c'est l'ancien? Là, moi, j'ai deux solutions. Soit c'est l'ancien avec celui sur lequel on avait chevauché avec Toadette. Soit c'est nouveau et dans ce cas, il est assez méchant. Mais quand même, il est balèze, hein. Sacrément balèze. Il faut se protéger. What? Vachement stylé. Oui, c'est ça, on connaît. Vous m'en voulez pas si je speedrun un peu? Mais il me fait pas peur, ce boss. Je vous le dis clairement. Oh là là, il est vachement chaud ce boss quand même. Je galère. On voit ce qu'il faut que je fasse. Attendez une seconde. Ah ben oui. C'était évident. Là maintenant je fais une petite pause. Je run. Et là on est à la fin normalement. Parce que généralement le combat contre Dragonon est fini comme ça. Ouais, c'est ça. On est à la fin. Et je me demande s'il y a des pièces qui... S'il y a des pièces qu'on atterrit dessus. C'est drôle qu'il y ait des pièces qui sortent de son corps. Vu qu'il est en or. Même pas. Il a quand même vachement la classe par rapport à l'autre Dragonon. Mais bon. Ah, on a loupé celle du milieu. Enfin bref. Passons au prochain niveau. Le défi de Toadette. La cage des Mascas. Donc là, je suppose que c'est avec Toadette. Enfin, c'est assez logique d'après le titre. Et j'espère qu'il ne faut pas les alerter. Non, ça va être la galère. Que tu dis que...
Ouais, c'est ça, accompli. Il va me suivre jusqu'au bout du monde, lui. Et mon pote? Bon, c'est pas trop l'opération de discrétion, hein. Franchement. Pour ce qui est de la discrétion, on peut mieux faire. Et voilà. Ah, il m'a fait mal là. Ah, il m'a fait très très mal. Je suis mort. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai l'excuse du fait que je n'ai pas joué depuis longtemps? Bon, on va réutiliser, personne n'a cette excuse. Go, 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 cours pour ta vie, Tonette! Donc. Je pars du principe que lui, on s'en fiche. Hein? D'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. Je salue à vous. Oui, je sais très bien que je peux éteindre ma lampe frontale. Merci de l'information. Disco Flipper. Je sais de rumeur que ce niveau est assez classe. Par contre, j'aime pas la musique, mais alors pas du tout. What? What? C'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Ok. Extrêmement bizarre. Ah, je crois qu'il faut activer les dalles. Ouais, c'est ça. Et si j'allais à gauche? Il y a un truc à gauche? À droite, il y a quelque chose. Voilà, une gemme. Et où est l'étoile? Comment on l'a, l'étoile? Ah, ce serait pas une histoire avec ça? Non, mais c'était une supposition. Ouh là là, lui il va me gêner, je le sens. Je le vois arriver gros comme un camion en plus. Tiens, pas ça. Alors, ce niveau a forcément une logique, mais je ne la vois pas. Ah, d'accord. Comment dire? What? Mais comment on accède?
Ah oui, d'accord, faut activer le dalle. C'est complexe, hein. Voilà. Donc ce niveau, on l'a complété normalement à 100% à peu près. C'était franchement pas mal. Est-ce qu'on doit le faire sans aucune chute? Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va aller dans Vol au-dessus du canal empoisonné. Ça présage rien de bon. J'aime beaucoup les niveaux avec de l'eau empoisonnée, mais... Tu vas m'inspirer pas confiance. Ah ouais, d'accord. J'ai peur de louper des trucs. Oula. C'est dangereux. C'était un peu bizarre ce niveau. Il s'est un peu mal terminé au niveau de des fusils. De toute façon, j'aime pas les fusils, donc ça c'est pas nouveau. Panique sur le transgalactique. Oula. Ça va être classe, je pense. Ah, ils ont fait un remix d'une musique de Mario Galaxy. Tu dégages. Merci mon pote. Ça va? Oh, on a la chaleur. J'aime pas ce niveau, il fait peur. J'imagine qu'il y a l'objectif de le finir 5 à 7 blocs. Merci, tu veux. J'ai perdu. Il est dur ce niveau. C'est bon, ça va. Pas si dur.
assez chaud. Désolé si je parle pas, mais... Oh, je me suis gavé. C'était dur, mais on y est arrivé. Éliminer tous les garde-fous, mais c'est impossible. Ah oui, on peut les avoir avec des navets. À bientôt pour une prochaine vidéo de ce Let's Play de Captain Todd Treasure Tracker for Wii U.